Mon nom est Yann Gosselin, je suis avocat et associé principal chez Norton Rose Fulbright. Je soutiens la Fondation Cerveau. Je suis le papa de 3 enfants et bientôt un 4e ou une 4e. Mon fils aîné, Frédéric, mon garçon, Laurent, et ma petite-fille, Charlotte. Les premières manifestations de problématiques de santé mentale chez Frédéric sont apparues alors qu'il était dans la jeune adolescence. C'était à ce moment-là ce que je croyais être des ennuis propres à une crise d'adolescence. Des enjeux de consommation de substances pourtant aujourd'hui légales l'ont amené à faire des mauvais choix. À ce moment-là, il est difficile de déterminer ce qui pourrait être la cause et les effets. Est-ce que Frédéric avait entrepris de consommer parce qu'il avait déjà une problématique de santé mentale ou l'inverse? Dans tous les cas, ça s'est matérialisé chez Frédéric par une emprise complète de la maladie au point où, pour la propre sécurité de Frédéric et celle de ses proches, il fallait envisager donc de recourir à des ressources externes. Mais à ce moment-là, pour nous, l'enjeu, on ne le voyait pas comme étant une problématique de santé mentale, mais bien plus quelque chose de comportemental. On envisageait donc plus des cures de désintoxication qu'un contrôle à la source, à la base de sa maladie qu'on ignorait. En parallèle, et tout cela était des fois un peu entremêlé, Frédéric avait été vu par des gens d'une clinique spécialisée dans la survenance des premiers états psychotiques chez le jeune adulte, la clinique Notre-Dame-des-Victoires. Des ressources multidisciplinaires composées d'une équipe de médecins, de pharmaciens, d'intervenants, de travailleurs sociaux, d'infirmiers et combien d'autres ont pris en charge Frédéric dans un plan thérapeutique holistique. Frédéric dit aujourd'hui de cette clinique que c'est grâce à eux qu'il est aujourd'hui remis sur pied. Et aujourd'hui, Frédéric se projette en train de compléter ses études et il a trouvé sa voie. Il veut devenir ce qu'on appelle un père aidant, c'est-à-dire un travailleur, un intervenant qui viendra à la rescousse de gens qui auront vécu comme lui des ennuis, des expériences dont il est possible de ressortir. La situation de Frédéric était à ce point grave et alarmante que on me dit qu'il y a 15 ans, Frédéric n'aurait jamais été remis sur pied. Puis la raison pour laquelle je raconte aujourd'hui mon histoire, je dis mon histoire, en fait, c'est bien plus celle de mon fils, c'est parce qu'elle a connu un dénouement heureux, puis parce que je suis dédouané aussi par mon garçon Frédéric pour en parler. C'est en parlant, c'est en cassant les tabous et en cassant les stéréotypes que je pense que l'on arrivera à faire une différence. Je soutiens la Fondation Cerveau pour l'appui qu'elle confère à des ressources existantes, celles qui ont permis à mon garçon d'être établi. Je soutiens aussi la Fondation Cerveau pour toutes ces ressources qui n'existent pas, mais qui seront mises sur pied tôt ou tard pour venir en aide à des gens qui en ont tant besoin.